Honorable du Sénat de la République, honorable membre du bureau, chers collègues, qu'il me soit permis de lire la résolution proposée à l'Assemblée et qui doit être soumise au vote de l'Assemblée. Vu la Constitution de la République d'Haïti de 1987, en ses articles 19, 27-1, 52-1, paragraphe L, 59, 97, 107, 109, 118, 129-2. Vu le règlement intérieur du Sénat de la République d'Haïti, en ses articles 168, 207, 208, 210 à 219, considérant l'émoi suscité au niveau de la nation par le décès tragique et brutal d'un juge enquêteur, considérant qu'il convient de fournir à la nation des explications correctes précises sur les circonstances entourant la mort du juge instructeur, considérant qu'il est des prérogatives du Sénat de la République d'enquêter sur la mort du juge Jean-Serge Joseph, magistrat en charge de l'enquête sur la famille présidentielle accusée de corruption, sur la proposition des présidents des commissions Justice et Sécurité publique et Anticorruption du Sénat de la République, l'Assemblée a voté la résolution suivante. Article 1. Il est formé question spéciale sur le décès du juge Jean-Serge Joseph, magistrat en charge de l'enquête sur les accusations de corruption portées à l'encontre de la famille présidentielle. Article 2. La commission est formée des sénateurs Pierre-Francky Exius, Wessner Polycarp, Joseph Joël, François-Annick Joseph, Steven Irvinson Benoît. Article 3. La commission spéciale d'enquête dispose d'un délai de 8 jours ouvrables pour présenter son rapport. Article 4. La mission de la commission se limite à l'enquête sur la mort du magistrat instructeur et les circonstances entourant cette mort. Donnée au Palais législatif le mercredi 17 juillet 2013 en 210e de l'indépendance. Dieu seul, Simon Dira, président. Steven Irvinson Benoît, premier secrétaire. Et Joseph Joël John, deuxième secrétaire. L'Assemblée de la résolution est mise au vote. L'Assemblée de la résolution est mise au vote. Ceux qui sont pour, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Ceux qui sont contre, merci. Ceux qui s'abstiennent, merci. 13 voix pour, 2 abstentions, 1 voix contre.